Donc, du renforcement de l'épaule, d'avoir une épaule bien solide pour la fin de la rééducation. Voilà, lorsque je suis sportif et j'ai besoin de faire des sports de smash, de raquette, j'ai besoin d'une épaule solide dans cette position tout en haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, de la vibration, faire vibrer l'épaule. C'est comme ça que travaillent les muscles stabilisateurs, mais dans cette position. C'est ce que moi j'appelle l'exercice de la queue de poisson. Vous allez voir. Donc, je lève ici mon bras, hop, le plus haut possible de cette position. Donc vraiment très très haut, ça à peu près plié à 90 degrés, à peu près. Et l'idée c'est de faire des nageoires de queue de poisson. Vous voyez là, je fais des rotations d'épaule. Je pousse le plus haut possible et je fais des petites rotations d'épaule comme si c'était, je vais montrer comme ça, hop, comme si c'était une nageoire. Hop là. Et donc, comme les autres exercices, je fais des nœuds, hop, tac, c'est bon. Comme les autres exercices de vibration d'épaule, ici je vais le faire là. Et après, je vais faire de l'autre côté. Tac, tac, tac. Oui, celui-là, il est dur, hein. Et malheureusement, j'ai mis un élastique beaucoup trop fort parce que ben, l'autre, il est là. Et que j'aurais dû changer les élastiques. Mais c'est pas grave. Ici, là, tac, 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 je fais des petits exercices de queue de poisson. Hop, queue de poisson. Et dès que je fatigue, je change et j'en fais plein. Mais il faut vraiment pousser le bras vers le haut. Donc, c'est vraiment pour trouver de la stabilité. Mais sur les mouvements de snatch, par exemple, ça, c'est essentiel avec l'exercice comme ça. Mais je l'ai écrit dans une autre vidéo. Je te laisse regarder. Regarde sur la playlist. Playlist, il y a tout.